16 rue Édouard Charton, Prix-Maçonnerie. Cette petite maison, originellement constituée d'un rez-de-chaussée et de son étage, fut construite à la fin du XVIIe siècle. Si sa façade sur rue en conserve un témoignage, avec ses deux garde-corps de fer aux motifs alternés d'oves et d'épingles allongées, elle fut rehaussée d'un étage au cours du XIXe siècle. C'est très certainement à cette occasion que ces façades ont adopté un décor classique de faux appareillages de pierre, tracé dans le plâtre ocré, en lieu et place du faux briquetage ancien. Le ravalement de 2015 a restitué ce dernier état authentique en reproduisant les tracés de joints et une fausse fenêtre a été rétablie afin de compléter la première travée de baies sur cour, proche de l'angle. Un travail complet de plâtrerie qui a su conserver l'authenticité des façades de cette maison de l'ancienne rue dite des Mauvais Garçons. 28 rue des Chantiers, Prix Peinture. Au 28 de la rue des Chantiers, dont je vous rappelle que le nom évoque la présence des nombreux sites de production de perches et de planches de bois utilisés pour les échafaudages et les chantiers du Versailles du XVIIe siècle, a été construit au milieu du XIXe siècle, cette maison dont la façade principale, en plâtre modelé de décor néoclassique, a été conservée et remise en peinture dans son ton ocré d'origine. Faux appareillages du rez-de-chaussée, bandeaux moulurés entre les étages, vous remarquerez que ceux-ci se distinguent par des décors différents, mais présentent tous de très beaux garde-corps en fonte, identiques sur la façade rue. 1 rue de Vergennes, Prix-Maçonnerie. Ce prix ravalement vient non seulement récompenser la qualité des travaux réalisés traditionnellement en plâtre et chaux coupé, mais aussi la persévérance d'une copropriété, peu satisfaite du premier ravalement en peinture, mal mis en œuvre il y a quelques années. En effet, phénomène rare dans notre ville, ce ravalement s'est rapidement dégradé, au point d'envisager de le refaire à nouveau. Cette fois, la copropriété a décidé de remplacer l'enduit ancien qui ne pouvait être conservé par un nouvel enduit de plâtre coupé. Les teintes d'origine ont été restituées. Les fausses chaînes d'angle et les bandeaux intermédiaires moulurés de cette belle construction datant du XIXe siècle ont retrouvé leur aspect originel. Le commerce en rez-de-chaussée a également réduit sa présence au profit de la façade. 7 rue François Boucher, Prix Peinture. Cette petite maison de l'entre-deux-guerres est un joli exemple de construction du style néo-pittoresque dont nous avons souhaité primer la restitution des teintes originelles à l'occasion du ravalement de ses façades. Un précédent ravalement blanchâtre avait gommé les particularités chromatiques des éléments constituant ses façades. Pièces de charpente et faux pans de bois du pignon grisé, chaînage d'angle, bandeaux horizontaux et appuis de baies en briques rouges, corps d'enduit de façade granuleux en jetis traditionnel ocré. En retrouvant ces teintes, cette maison si caractéristique retrouve toute son originalité dans la rue. Gageons qu'elle entraînera dans son sillage d'autres maisons de cette époque afin de restituer leurs façades polychromes. 16 rue Georges Guinemer, Prix Maçonnerie. Il n'est pas une remise de prix à Versailles sans que nous ne remercions les propriétaires et leurs entrepreneurs pour leur restauration d'une maison construite par Léon Bachelin, architecte prolifique de la fin du XIXe siècle, qui construisit de nombreuses villas suburbaines jusque dans les années 1920, dans le quartier de Montreuil, de Glatigny et même boulevard de la Reine. Ici, nous saluons une très belle restauration, respectueuse de l'architecture de Bachelin, qui, comme à son habitude, utilise le plâtre modelé blond ocré afin de réaliser une véritable leçon d'architecture de fausses pierres sculptées, fausses assises au rez-de-chaussée, faux chaînage d'angle, entablement à relief au-dessus des baies, corniche et monumentale lucarne en plâtre. Si les propriétaires ont été surpris au départ par la nécessité de colorer ces éléments de plâtre afin d'imiter la pierre blonde d'Île-de-France, en lieu et place de la peinture blanche du ravalement précédent, le résultat est à la hauteur du travail réalisé. 33 rue de la Bonne Aventure, Prix Maçonnerie. Une fois n'est pas coutume, nous ne quittons ni le quartier de Montreuil, ni l'architecte Léon Bachelin pour primer une seconde restauration contemporaine du précédent prix et mitoyenne de la propre villa de Bachelin. Encore un très bel exemple versaillais de villa suburbaine, dont le principe constructif très codifié repose sur l'utilisation de la pierre meulière apparente et sur l'application de plâtre extérieur modelé, auxquelles les formes les plus variées du répertoire néoclassique sont données. Vous remarquerez que les façades de cette villa présentent de nombreuses citations du XVIIIe siècle classique, avec ses clés de linteau clavées portant des masques humains sur les baies du rez-de-chaussée et des guirlandes de fleurs traversant des consoles formant clés de baies au premier étage et au niveau des lucarnes monumentales, frontons brisés à cartouches de cuir au-dessus de la porte d'entrée et belles serrureries au motif du XVIIe siècle. Une belle restauration complète qui se remarque dans le quartier. 80 boulevard de la Reine, Prix Maçonnerie.
Cette carte postale ancienne nous permet de comprendre les modifications apportées à cette construction de la seconde moitié du XIXe siècle, qui fut donc surélevée d'un étage et couronnée d'une couverture mansardée et de nombreuses lucarnes. Si la grande corniche à modillons a disparu pour laisser place à cet étage supplémentaire, en revanche, les deux garde-corps en fonte et les entablements des baies du premier étage ont été maintenus en place lors de cette transformation. Le sérieux ravalement de plâtre réalisé en 2015 a su redonner ses teintes traditionnelles aux deux façades de l'immeuble, qui répond maintenant, en écho, aux façades blondes du Carré des Siècles et à l'espace culturel Richaud, situé de l'autre côté du boulevard. Trois rue de Rémilly, prix peinture. Ce prix récompense une restauration complète des façades et de la couverture de l'une des deux maisons jumelées, construites à l'extrême fin du XIXe siècle dans un style classique. Bien que jumelles, ces maisons se distinguent par les détails de matériaux et les décors utilisés. Pour le lauréat d'aujourd'hui, faux appareillages et clés au-dessus des baies du rez-de-chaussée, larges entablements de plâtre pour les linteaux des baies de l'étage et un très beau soubassement en parpaing de meulière, particulièrement difficile à tailler. Les travaux de restauration entrepris par ses propriétaires ont contribué à redonner ses teintes traditionnelles et originelles aux différents éléments que constitue cette façade et valoriser ainsi ce très bel exemple de villa suburbaine de style historique. 11 rue de Satory, prix de Venture. Il ne subsistait que la seule corniche à modillons cubiques de la célèbre devanture commerciale du bazar militaire de la rue de Satory, qui vendait tous les articles de droguerie et quincaillerie de 1900. Lorsque le maître d'ouvrage a souhaité modifier sa devanture moderne, le projet a été orienté vers une composition traditionnelle, accompagnant et valorisant les vestiges de cette corniche, plus que centenaire. Il ne s'agissait pas ici de restituer scrupuleusement la devanture disparue, mais d'en reprendre les éléments les plus structurants de la composition. Des pilastres latéraux, une allège et un bandeau haut, portant une moulure d'astragale, reformant ainsi l'entablement disparu avec le vestige de la corniche à modillons. Une belle réalisation valorisante. 18 rue d'Angivillers, prix maçonnerie. Ce prix récompense le soin apporté par les propriétaires dans la restauration des façades de cette construction, dont la partie la plus ancienne occupe l'angle des rues Sainte-Adélaïde et Angivillers, et fut probablement établie à la toute fin du XVIIIe siècle ou au tout début du XIXe, puisqu'elle est déjà présente dans le cadastre napoléonien de la ville, ce que confirment ses beaux appuis de baies à console sculptée et sa corniche au dessin très classique. Une extension et des garages ont été ajoutés par la suite à la construction originelle et les travaux de restauration ont permis d'harmoniser ces ajouts postérieurs en reprenant les caractéristiques colorées de la maison principale et recréant également des travées de fausses baies sur la façade aveugle de la rue d'Angivillers. Un travail très complet dans les règles de l'art. 21 rue Carnot, prix maçonnerie. Si elle fut bâtie en 1684 sur une parcelle détachée du grand hôtel particulier du duc de Montausier, gouverneur de la Normandie et gentilhomme de la chambre du dauphin sous le règne de Louis XIV, cette maison connut un nombre inhabituel de propriétaires successifs qui modifièrent son aspect en surélevant la construction d'un étage et simplifièrent son ravalement à la période moderne. Les travaux de restauration entrepris par la copropriété ont permis de valoriser cette façade en lui restituant ses éléments de décors anciens, caractéristiques de la période classique de notre ville. Chambranle moulurée autour des baies, bandeaux moulurés formant corniche au troisième étage et remplacement des garde-corps cintrés dits en tubes de chauffage des baies de l'étage par des garde-corps à motif de losange sur croix, de style géométrique fin Louis XV, dont des exemplaires authentiques étaient toujours en place sur les deuxième et troisième étages de la façade. Assurément l'une des très belles réalisations dans la rue Carnot. 21 rue de la Pourvoirie, prix peinture et prix devanture. Nous sommes particulièrement satisfaits de récompenser ce chantier car il conjugue à la fois la restauration réussie d'un des rares immeubles de style art déco des années 1920-1930 de Versailles à une réelle métamorphose d'une façade commerciale de l'un de nos commerçants du marché. Il est très rare de pouvoir récompenser conjointement un ravalement réussi et la réalisation d'une devanture commerciale en rez-de-chaussée. C'est fait aujourd'hui grâce à la bonne volonté du propriétaire qui a accepté de jouer le jeu avec nous en composant un jeu de fausses vitrines opaques et de montants menuisés en lieu et place des rideaux métalliques de sa devanture précédente. Un nouveau store viendra prochainement parachever la très belle valorisation, très complète de cet immeuble, qui, lui, a retrouvé ses teintes originelles. 14 bis rue Racine, prix peinture.
Une fois n'est pas coutume, nous souhaitions récompenser un ravalement techniquement simple, mais qui restitue parfaitement l'esprit originel d'une construction traditionnelle du milieu du XXe siècle dans le quartier de Porchefontaine. Les propriétaires ont volontiers coopéré et les codes couleurs de ce type architectural ont été respectés, faisant oublier la maison rose antérieure qui n'avait pas grand rapport avec les traditions colorées de ce quartier. Une réalisation respectueuse des spécificités architecturales du quartier qui donneront, nous l'espérons, l'envie aux propriétaires de la rue de poursuivre cette démarche sur leur maison. 38 rue Carnot, Deventure. Nous retournons dans le domaine commercial avec ce prix Deventure pour la belle recomposition de la façade de cet ancien laboratoire de boulangerie qui présentait un aspect austère et impersonnel dans la rue Carnot jusqu'à récemment. Traitée en profil métallique fin et vitrages étroits, cette nouvelle Deventure, largement ouverte sur la rue, abrite maintenant un restaurant. La présence d'allèges sur le bas de la vitrine métallique peinte dans un ton sombre, l'enseigne drapeau original et l'enseigne bandeau peinte confèrent à l'ensemble un style qui s'harmonise avec ses avancées commerciales, formant une saillie sur la voie publique et portant de belles grilles de balcons de fer, disposition caractéristique de ce côté de la rue Carnot, mais très exceptionnelle à Versailles et qui permirent aux commerçants de la rue d'agrandir leur boutique à la fin du XIXe siècle. 13 rue du Maréchal Foch, Deventure. Cette Deventure commerciale a étonnamment conservé ses dispositions, maintenant devenues très rares à Versailles, mais caractéristiques de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe, et dont l'élévation occupait le rez-de-chaussée et le premier étage des constructions, donnant ainsi plus de lisibilité à l'établissement. Ici, des pilastres engagés jumelés, à cannelures et chapiteaux ioniques, ornent les extrémités de la façade de l'étage, alors que des panneaux centraux, autrefois porteurs de mentions publicitaires, occupent le centre de celle-ci. Enfin, un bandeau publicitaire couronné de deux motifs d'accolade en haut relief achève cette Deventure au ras des appuis de baie du deuxième étage. Un projet de vitrine traditionnelle, plus adapté aux vestiges de l'étage, a été composé par le maître d'ouvrage afin de valoriser ceci. Ajout d'une allège aux vitrines, suppression du décrochement de la porte d'entrée et réduction de la hauteur trop importante du bandeau portant le sigle de la marque. Autant de détails qui ont permis de redonner toute sa signification et son harmonie à cet ensemble commercial assez unique dans notre ville. Si je vous révèle que les travaux prévoyaient initialement une simple mise en peinture, vous mesurerez avec nous le chemin parcouru. Rarement nous aurons eu l'occasion de récompenser le ravalement d'un pignon. Mais il faut dire que celui-ci a fait l'objet de toute notre attention quand la copropriété a décidé d'entreprendre son ravalement. En effet, ce pignon est particulièrement visible puisqu'il se trouve sur le passage vers la grille du parc du domaine royal et qu'il présentait jusqu'alors un dépouillement relativement anarchique et un aspect vétuste. Cet immeuble construit sous le règne de Louis XVI en 1777 par Pierre Richard, cultivateur à Villers-Saint-Paul, sur une parcelle prise sur le parc, ne comportait alors que 3 étages et un rez-de-chaussée. Le pignon était alors traité avec autant de soin que la façade principale. Comme souvent à l'occasion d'une surélévation, le ravalement antérieur a été remplacé par un ravalement plus contemporain et parfois simplificateur en ce qui concerne les décors. C'est ce qui était arrivé à ce pignon. La copropriété a donc accepté de restituer les éléments nécessaires à la composition d'une façade classique ordonnancée. Le bandeau mouluré du rez-de-chaussée, les faux joints et le soubassement ont été prolongés sur le pignon. Des baies en trompe-l'œil avec contrevent ont été peintes en complément des baies percées à l'époque moderne et des faux joints à la parisienne ont été créés dans les étages. Cette belle restitution valorise maintenant ce lieu extrêmement fréquenté pour le plus grand plaisir des visiteurs du parc et des habitants du quartier. Premier prix de la ville de Versailles. Le jury a souhaité récompenser ex aequo deux réalisations exceptionnelles par la qualité de leur mise en œuvre, la restitution complexe de décors disparus et l'effort important consenti par les propriétaires de ces deux immeubles. Aussi, le premier prix de la ville de Versailles est-il attribué à un premier chantier situé au 15 rue Montboron pour la restitution des décors de trumeaux en faux briquetage du XVIIe siècle sur les deux façades de la construction. Ces décors disparus lors d'un ravalement moderne ont fait l'objet d'une recherche historique précise et d'observations minutieuses après piochage des enduits afin d'identifier avec certitude les vestiges du décor originel. Après la définition de l'aspect final de la restitution des façades par l'architecte du ravalement, l'entreprise a exécuté traditionnellement ses décors en plâtre blond pour les encadrements et en ocre rouge pour la fausse brique. De fausses baies caractéristiques des constructions en angle des rues sous l'Ancien Régime ont été restituées sur les deux façades, avec des peintures de croisées en trompe-l'œil. Une mention spéciale pour la copropriété qui a particulièrement démontré son engagement dans cette restauration jusqu'à la réception des travaux, une réalisation exemplaire à tout point de vue. 6 rue du Maréchal Joffre.
également un premier prix de la ville de Versailles pour la restitution du décor de faux briquetage de la majestueuse façade de cet immeuble construit dans les années 1739 par un gentilhomme de Versailles sur l'une des quatre parcelles de l'ancien petit potager de Louis XIV. Le hasard veut que les travaux de restauration soient menés par l'architecte associé au maître d'œuvre du chantier de la rue Montboron et concernent une similaire restitution de décor. On imagine aisément les discussions entre les deux architectes de l'atelier au retour des réunions de chantier. Cette restitution s'est opérée dans des conditions techniques comparables à celles du prix précédent, mais les enjeux étaient ici quelque peu différents. En effet, cette construction fait partie d'un ensemble urbain de quatre maisons construites à quelques années d'intervalle, dans le style du faux briquetage qui persiste à Versailles jusqu'en 1750 et constitue un front bâti harmonieux entre les rues de l'Orangerie et Hardy. L'occasion était trop belle de poursuivre la constitution d'un futur ensemble briqueté unique à Versailles. Là encore, les images de la réalisation sont éloquentes.